Joseph! Joseph! Ah, merde! Où il est passé? Tant pis. Il se débrouillera tout seul. Je dois me dépêcher. Et trouver Leslie. Il s'appelait Ruben Victoriano. Mais il existe maintenant la personne de Ruvik dans l'encéphale du STEM. Ruben était brillant. Il a conçu le système entier à lui tout seul. Mais nos intentions étaient contradictoires. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'est plus un problème. Les conséquences d'une confiance mal avisée. Ruvik, il sait que je suis là.
y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Nos sujets meurent. Ils meurent brusquement, après être sortis du stème, les yeux remplis d'horreur. Ceux qui survivent restent catatoniques, tellement incohérents qu'on ne peut pas les interroger correctement. Nous n'avons rien fait qui pourrait expliquer ce changement. Ça vient probablement de la conscience collective croissante au sein du stème. Ces patients ne supportent pas une exposition prolongée. Il nous faut des sujets plus sains qui pourraient purger le système. Le système n'est pas viable dans son état actuel, ce que Mobius n'acceptera pas. Cette fois, je suis le seul responsable. Le nouveau prototype est presque prêt à Beacon. Dès qu'il sera terminé, je le convertirai au système sans fil. Même si les expériences du système original tournent mal, je prouverai ma valeur à Mobius avec cette nouvelle génération. Thank you.
Leslie ne fera pas long feu s'il est par ici. Je dois absolument le retrouver. En parlant des autres... Comme je vous l'ai dit, ils sont superflus. Ils n'ont aucune incidence sur cette mission. S'ils s'avèrent gênants, vous savez quoi faire. Thank you.
Je suis là! Je suis là!